Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle. On suit l'actualité et bah, l'actualité, hélas, j'ai envie de vous dire en ce moment, est mauvaise. Je vais vous parler d'encore un report de Grand Prix et aujourd'hui, c'est notre petit Grand Prix Made in France, le Grand Prix du Mans. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous parler d'un petit truc très très rapidement, hein, bien sûr. Si vous aimez le jeu MotoGP 2020, vous le savez, le jeu sur console, sur PC, enfin bon, la plateforme que vous voulez, il y a eu pas mal, bah là récemment, de nouvelles vidéos qui ont été données par Milestone sur des informations du jeu. Et totalement gratuitement, je voulais vous envoyer vers une chaîne qui est La Moustache Belge. Je vous mettrai son lien en description. Alors il m'a rien demandé, hein, je fais juste ça parce que j'ai vu récemment ces vidéos. Et si vous voulez des informations sur le jeu, bah, c'est vachement intéressant parce que vous savez plein de petits trucs. Et là récemment, c'est pour ça que je vous en parle, il y a eu les dernières news qui sont tombées sur la carrière manager. Donc si vous aimez le jeu MotoGP 2020, allez vous renseigner chez lui. Donc voilà, dans cette vidéo, on aura un petit sujet positif. Passons aux choses un peu plus sérieuses et surtout un peu plus tristes. Oui, c'est maintenant officiel, le Grand Prix du Mans est repoussé. Comme pour le circuit de Jerez, nous n'avons pas de date. Maintenant, il est repoussé à une date indéfinie. Et bon, bah, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, je pense qu'on est tous d'accord qu'on s'y attendait. C'est tout à fait normal, je ne voyais pas comment c'était possible de voir le Grand Prix de France. Je vous rappelle qu'il était en mai, normalement le Grand Prix de France. Donc maintenant, bah, plus qu'à attendre hein, de voir si ces situations de virus se règlent et quand surtout reviendra le Grand Prix du Mans. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, il n'est pas repoussé en fin de saison, comme j'avais eu peur il y a quelques vidéos en vous disant s'il est repoussé en fin de saison, on sait au Mans, il fait pas très très beau, c'est pas super, clairement, d'être, bah, voilà, d'aller au Mans en fin d'année, je pense qu'on est tous d'accord. Donc du coup, bon, on peut espérer clairement d'avoir un Grand Prix du Mans au milieu de la saison, donc on va dire fin de l'été ou début de l'été, j'en sais rien, quand ces problèmes hein, de virus se régleront. Mais bon, c'est comme ça et c'est vrai que c'est attendu, mais c'est vrai que ça nous fait quand même un petit truc. Hein. Moi, je sais pas vous, moi quand j'ai vu Grand Prix du Mans annulé, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est le moment fatidique qui est arrivé. Au passage, hein, je vous affiche du coup le petit message de Fabio à vous, les fans. Hein. Comme ça, si vous ne suivez pas Fabio Quartararo sur les réseaux sociaux, vous voyez un petit peu ce que dit Fabio Quartararo. Ça fait plaisir, un petit message comme ça qui nous donne un petit coup au cœur. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire de plus dans ces vidéos. Hein. Vous savez, c'est vraiment pour vous informer. Bon, bah c'est de toute façon, hein, j'ai l'impression que dans toutes les vidéos qui sont liées à tous ces problèmes de virus, je vous dis à peu près toujours la même chose. Hein. C'est dommage, j'espère que ça reviendra bientôt. Donc voilà, je pense que vous avez eu le cœur de l'information, le Grand Prix du Mans est repoussé. Et maintenant, bah encore comme d'habitude, hein, croisons les doigts et espérons que nos Grands Prix, que la MotoGP en général reviendra très vite et que surtout que ce foutu coronavirus s'arrête. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Si elle vous a plu, je dis bye bye les potes, ciao!